Et salut à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de Dredge. On s'est arrêté ici, il fallait qu'on active le générateur pour qu'on aille pour qu'on puisse pêcher des poissons là qui sont au milieu parce qu'on peut pas les pêcher. On se fait démonter par le Kraken. Du coup, let's go. Go allumer le générateur, la machine à répulsion que vous avez installée, il branche toujours le générateur. Activez la machine, oui. La machine à répulsion s'allume en bourdonnant. Quelques secondes plus tard, une lumière vive jaillit au-dessus et une alarme se met à hurler. La chercheuse avait dit que ça devrait éloigner les créatures, enfin, au moins pour un moment. Ouais, j'avoue, la créature, les gars, elle est plus là. Oh, let's go. Go pêcher ça vite fait. Genre en fait on l'avait déjà pêché mais pêché on était mort. Ça suffit. Et go pêcher vite l'autre poisson, la crevette, c'est ça les crevettes. Ouais. Nickel. On pêche encore un ou deux. Ok. Genre qu'est-ce qu'il y a comme espèce après de poisson? C'est quoi ça? Ah c'est le trésor ça. Le trésor qu'il voulait je crois. Let's go. Let's go. J'ai le trésor de l'autre là. C'est quoi là-dedans? Ça c'est les saucisses ça encore? Ouais. Ah merde. Il arrive. Il revient je crois là non? C'est bon le Kraken il revient là. Il est mis en bleu. Ça dure longtemps cette merde hein. En fait genre je vois le temps que ça dure exactement. En fait ça dure grave longtemps en vrai. Un zoo, aller voir surtout les alertes, info. Ouais, c'est ici, au bout d'un moment, je... En fait, je vois le temps que ça dure exactement le truc. Et en fait, ça dure grave longtemps, en vrai. Mais ça dure grave longtemps. Salut, Just Gamer, comment tu vas? Salut, Namo. Hey, Namo. Est-ce que ton frère Nemo est dans le jeu? Pardon. Désolé. J'ai essayé. Mais ça dure giga longtemps. Non mais ça dure giga longtemps. Un sextant. Moi je connais les sextoys. Ouais, ça dure giga longtemps. Ouais. Go, je revois la chercheuse et genre go lui ramener les poissons là. Ça dure si longtemps ouais. Et t'as raison, il vaut 500$. C'est le poisson le plus rare du jeu et il est vénère de ouf, tu sais. Ah, donc en fait, quand t'actives le truc, t'attends de pêcher genre tous les poissons. Non, j'ai pas oublié. Chercheuse. Oh, rebonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? N'oublie pas qu'il faut installer et activer la machine avant de tenter de récupérer les spécimens. Peut-être récupérer... Ok, c'est bon. Tiens. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu en premier? La mauvaise nouvelle, c'est que les échantillons que tu as récupérés dans le bassin présente un nombre dangereusement élevé de mutations cellulaires. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plus d'informations sur ce qui cause les anomalies dans l'écosystème. Tout ça signifie que la chose dans le bassin est dangereuse pour la vie au niveau cellulaire.
elle endommage tout autour d'elle, soit involontairement, soit intentionnellement. Je dois tout de suite rédiger un rapport sur les découvertes. Pardon, nos découvertes. Je vais enfin pouvoir être prise au sérieux. Oh, où sont mes manières? Je fais tout ça pour moi et je n'ai pas grand-chose à te donner pour te remercier. Tiens, prends ça. Un plan sur l'avenir, c'est quoi ça? Elle ouvre un tiroir et sort un livre, qu'elle vous tend timidement. Quelque chose que j'ai écrit pendant mes études. Je pense que ça pourra t'être utile. Merci encore pour ton aide. Je te recommande d'éviter la zone. Ce n'est pas très sûr près du bassin. Nickel, les gars, on a fait deux quêtes en une. Les gars, on a fait deux quêtes en une. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On a fait deux en un. C'est... Oh non, il a varié. Putain, il a varié sa mère. Oh. Ok, bon, je lui laisse. Il est. Ça là-dedans. Ça, on va mettre ça là. Ça, je vais garder parce que je vais le rendre maintenant, je crois, la quête. On va mettre ça là. Okay. Les gars, faut que j'aille ouvrir Il y a un truc qu'on doit ouvrir ici, là. À côté, il y a un truc qu'on doit ouvrir, je crois. Je sais plus où c'était. Mais je crois qu'on doit ouvrir un truc ici à côté. Où il doit y avoir dedans du. Ça là. Une pièce comme ça, là, du métal raffiné. Mais je sais plus où c'était. Mais c'est dans les environs, en tout cas. Alors, je vois ce qui peut être encore plus avarié que ça, parce que avarié, c'est déjà le maximum. Je vais lire ça, comme ça on le lit. Ok. Level 1. Ouais, mais les poissons. Oh, je sais pas comment on le pêche. Attends, vous savez quoi? Je prends 30 secondes pour checker. À tous les coups, vous êtes dans les abysses, c'est ça? C'est lui. Mais je trouve pas. Je pense qu'il doit être vers lui, non? Nuit et jour, hein. C'est jour et la nuit. Dans les abysses, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Go dormir. Et je vais le pêcher demain. On va faire la quête demain. On l'a vu tout à l'heure, t'en avais. C'est jour, je l'ai vu tout à l'heure. Pourquoi je l'ai pas pêché? Tu l'as vu tout à l'heure. Sérieux, pourquoi je l'ai pas pêché? Dormir. Se réveiller. Allez, ça part. Le mec, il doit aller par là, je crois. Attends, c'est par où le. Ouais, c'est par là. C'est où je devais dynamiter, putain. Ah, c'est là. C'est là où je dois dynamiter, je crois. Go à droite. Ah non, c'est pas là. Une fois un requin marteau. Il faut un requin marteau pour. Genre, c'est où la quête déjà? Ah, c'est ici. Ah, c'est là où on va de toute façon. On passe par là-bas. Vas-y, go. Oh, let's go. Oh, longue vue. Oh, d'accord. Mais là, je suis pas dans les abysses, donc ça sert à rien de chercher ici. Je veux voir, est-ce qu'ils ont pêché des trucs, eux? Oh, crabe-le. Crabe-le. What the fuck?
Il a l'air simple le jeu en vrai. En fait, le jeu n'a rien de difficile. Tant que tu ne fais pas de la merde à vouloir aller où tu veux, etc. Enfin, de faire ce gag. Parce qu'en fait, si au début tu fais n'importe quoi, tu peux te niquer le jeu et tout. Mais en fait, si tu fais les choses bien, en vrai, c'est ok. Je peux pas tout vendre égal. Là, si je vends tout. Attends, là, si je vends tout, je fais quoi si je vends tout là? C'est 713! Qu'est-ce qu'il vaut cher? Look at this! 244! Holy shit! Holy shit! Ok. Done. Ok. Deux espèces de canne à pêche, lourd. Les gars, amélioration niveau 4. Let's roll. Let's roll. Bim, bim. 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 Ok, il manque quoi? Il manque 4 tissus, 3 planches et 2 matériaux raffinés. 4 tissus, 3 planches et 2 matériaux raffinés. Et 1500 balles. C'est bon, je disais, 2009, on est riche, ça fait beaucoup de ressources. En vrai, ça va. En vrai, à mon niveau, ça va encore. Les gars, on va voir 15 slots en plus. Hein. Je sais pas si vous imaginez là. 15 slots en plus. Ça veut dire que limite, je crois qu'on va doubler la cale. 15 slots en plus. Ça va être lunaire, les gars. Ça va être lunar. Lunar. It's gonna be lunary. Lunary. Mais celle-là, pour l'instant, en vrai. Comme ça, je gagne de la place. Et go dormir vite fait. Ok, let's go. Au moins 1000 slots. Tu peux m'expliquer le jeu, prends le temps que tu veux. Putain, j'en ai marre d'expliquer toutes les 30 secondes de jeu, ça m'arrange. Ah, c'est là. Ça commence à me casser les couilles d'expliquer le jeu toutes les 30 secondes, hein, je vous annonce. Hein. En gros, le but, c'est un jeu dans lequel tu es dans l'open world, ok. Et en gros, tu as des quêtes qui te sont données, d'accord. En gros, en fait, tu t'échoues ici au début du jeu. En gros, le lore, c'est quoi? C'est, t'arrives ici, tu t'échoues, ok. Tu t'échoues. Et en gros, le but, c'est... de déposer ta dette. En gros, en fait, le maire, quand t'arrives, le maire te passe un bateau. Donc, ce chatouille dans lequel je suis, chalutier, là. Et te dit, tiens, le précédent pêcheur, en fait, on l'a perdu. Il y a un bateau qui est libre, prends-le. Et ça te permettra en fait de commencer à pêcher. Et la pêche que tu me ramènes, bah en gros, je prendrai une partie sur ce que tu vendras. Comme ça, en fait, bah du coup, ça compensera le bateau que je t'ai filé, tu vois. C'est un sort de leasing, si tu préfères. Une fois que tu fais ça, en fait, bah du coup, bah. Donc ça, c'est le début. Et après, en fait, t'as t'as un système de quêtes assez diverses, tu vois. Où, en gros, tu vas parler de plein de PNJ. Ils vont donner plein de quêtes, tu vois. En mode, ramène-moi du poisson, ramène-moi telle et telle espèce de poisson, ramène-moi tel et tel truc de genre d'espèce. Et en fait, ce qui se passe dans le jeu, c'est que comme t'es un chalutier et que tu pêches,
En gros, tu as ta cale ici qui est représentée par des slots. Chaque slot, en fait, est une case, plus ou moins, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est des poissons qui prennent plus ou moins de place. Par exemple, tu vois là, tu vois, genre le petit poisson, le petit vivano là, il prend deux slots, tu vois. Un requin marteau, ça prend pas mal de slots. Ça prend encore plus de slots, tu vois, en termes de longueur, tu vois. Donc, en gros, chaque poisson a une taille prédéfinie. Après, le but, c'est de remplir ta cale le plus possible et d'aller vendre, tu vois. Sachant que, bah, en gros, il n'y a pas que le poisson que tu peux vendre. Tu peux aussi aller choper des trésors. En fait, t'as des bateaux qui sont, échoués. Et t'as des trésors qui flottent en surface. Tu peux les pêcher, du coup, ok. Tu peux draguer les trésors, etc. Et les vendre aussi. T'as aussi des ressources, en fait, que tu peux récupérer. Donc, ça, en l'occurrence, tu vois, le métal raffiné, tu vois. Qui sert en fait en l'occurrence en fait à améliorer ton vaisseau, enfin ton bateau pardon. Et le but bah c'est, en fait c'est d'avancer de plus en plus loin, de genre d'explorer de plus en plus loin parce que en fait tu commences dans l'île centrale et en fait le jeu de par les quêtes te dirige un petit peu, le jeu est assez dirigiste donc en fait te dirige vers les différentes îles. Donc là celle-ci on l'a faite, tu vois. Là maintenant en fait on est allé ici pour récupérer la bague mauve là que t'as vu tout à l'heure qu'on a posée. Et là, du coup, en fait, faut qu'on revienne poser le truc. Je pense que, du coup, la prochaine étape, c'est soit Rive Retor, soit Échine du Diable, tu vois. L'une des deux, ok. Et entre-temps, bah, en fait, t'as plein de petites îles comme ça qui te donnent des quêtes annexes, tu vois. En l'occurrence, ici, j'ai... Bah, du coup, tu vas le voir, en fait, il y a un sort de totem, enfin, une sorte de pierre un peu bizarre dans lequel tu peux mettre, en fait, des poissons. Et si t'arrives à résoudre l'énigme et mettre des poissons... En fait, c'est un sort de Tetris, tu préfères, tu vois. Donc, tu mets la bonne espèce de poisson... Et que tu les cales plutôt bien, et quand tu y arrives, bah t'as des récompenses. Et après, t'as d'autres quêtes annexes, genre qui n'ont rien à voir à toi et tout. T'as des endroits qui sont piégés, qui sont bloqués, et il te faut des explosifs pour les ouvrir. Vraiment, le jeu est trop stylé. Vraiment, le jeu est trop stylé. En plus de ça, en fait, t'as un aspect de. T'as le poisson qui peut, genre, périmer si jamais tu le laisses trop dans ta cale, tu vois. Donc, le but, c'est de le mettre vite dans le filet. Vu que le filet, c'est dans l'eau, bah, du coup, tu vois, il reste dans l'eau, donc il reste frais le poisson. Et après, voilà, t'as des livres qu'on peut te donner. Et typiquement, les livres, en fait, quand tu les lis, au fur et à mesure que tu joues dans le jeu, tu les lis. Ok, donc là, on a 27%. Et quand t'as fini de lire le livre, en fait, ils te donnent des perks, tu vois. Genre, par exemple, tu vois, tout ce qui est envers, c'est des perks qu'on a chopé, tu vois. 10% de résistance à la panique, 15% de résistance à la panique. Les équipements ayant durabilité le perdront 10% plus lentement, tu vois. Les cannes à pêche remontent le poisson 10% plus efficacement. Les moteurs en vitesse supérieure. Et en fait, ça, c'est des perks que tu as, en fait, au fur et à mesure du jeu. En accomplissant des quêtes et tout et tout. Et puis voilà. Après t'as aussi un lexique, un nom d'une encyclopédie qui te permet de lister un petit peu les différentes espèces. Tu vois, il y en a quasiment 128. Donc c'est énorme. Et en gros, t'as plusieurs types d'eau. Donc t'as les eaux côtières, les hauts fonds, les carmois, les océans, les abysses. Donc c'est vraiment les profondeurs de fou. T'as les grands fonds, t'as les volcans. Et mangrove, genre les deux là, on n'a pas encore vu. Là. Le volcan et mangrove, on n'a pas encore vu. Mais voilà, donc typiquement, t'as des poissons qui se trouvent que dans un biome, entre guillemets, tu vois, que dans un type de profondeur. Et donc, du coup, forcément, quand tu veux pêcher dans un type de profondeur, il te faut la bonne canne à pêche ou le bon filet, tu vois. Donc là, tu vois, en fait, on a un treuil qui permet de pêcher dans les abysses. Là, c'est écrit là, tu vois. Abysses, grand fond et océan. Là, ça permet de pêcher que dans sur les côtes et les hauts fonds. Et le chalut, donc le chalut, c'est le filet, tu vois. Il est efficace uniquement quand tu es aux abords des côtes et des hauts fonds. Tu vois. Là, si je vais en pleine mer, dans l'océan, là, ici, là, ou dans les abysses, bah, le filet ne pêchera rien du tout. Tu vois. Il faut le filet adéquat pour pêcher dans la zone où tu es. Tu vois. Donc, voilà. C'est bon, j'ai plus ou moins tout expliqué. Les bodos, si vous avez fait un clip, j'en ai marre de toujours expliquer, ça me rend ouf. J'explique genre à raison de 3-4 fois, vous savez, même 5 fois par live. Genre, et après, t'as des slots, bah, je peux pas te les montrer là, mais typiquement t'as des slots en fait d'amélioration de ton bateau. Tu peux pas mettre des moteurs où tu veux, t'as des slots moteurs, t'as des slots filets, t'as des slots lumière, tu vois. Et en gros tu peux améliorer ton truc, t'as les dégâts que tu peux prendre jusqu'à la 5 dégâts, tu vois. Au-delà de quoi, bah ton bateau après il est mort, tu vois, il est game over. Voilà, là après là, c'est en haut à droite c'est l'argent, il y a un aspect économique comme j'ai dit. Plus le poisson est rare, plus le poisson est gros et plus il coûte cher, tu vois. Genre là, par exemple, le requin marteau coûte plus cher que le vivano rouge, tu vois. Et forcément, plus le... Voilà. Je pense que c'est assez clair, en fait, tu vois. Je sais pas. J'ai été clair ou pas? J'essaie de tout résumer en 5 minutes. Mais frérot, installe-toi, regarde le live, tu vas voir. Tu comprends assez simple. C'est vraiment assez simple pour comprendre. Il n'y a rien de bien complexe. Ah oui, et le bateau a des perks, tu vois.
Genre en gros, là j'ai la lumière, tu vois, que je peux allumer et éteindre. Ok. T'as la corne pour signaler ta position à d'autres bateaux, mais ça c'est encore plus, c'est encore autre chose. Et après t'as la longue vue, tu vois. Ah ça le poisson que je dois chercher les gars. C'est eux non? C'est pas eux? Si c'est eux je crois. C'est eux qu'il me faut non? Ouais c'est eux qu'il me faut je crois. Ah c'est eux, ok, on va aller. Et après t'as des perks genre style par exemple là tu vois je peux dasher tu vois avec le bateau. Donc là je suis en normal. Et si je fais clic droit, tu vois il y a un sort de boost, tu vois en bas à gauche de l'écran, tu vois. T'as une barre de surchauffe qui monte. Et ça en fait c'est un. Tu verras en fait c'est une perk qui me permet de me TP vers le port le plus proche. Voilà. Tout simplement. C'est tout expliqué gros. Les modos, crée un clip s'il vous plaît. Ou un light ou un truc, je sais pas. Ok, nickel. J'ai tout pêché sa mère. Et ça c'est le mini-jeu pour pêcher plus vite, tu vois. En gros, à gauche là t'as la canne qui monte, tu vois. Ici là. Et en fait tu veux la monter, faire monter plus vite, il faut que tu réussisses les petites QTE, tu vois. Tu vois. Genre, ah, non, je veux lui. Oh là, 48 cm. Lui c'est un légendaire les gars. Poisson ogre, tu vois il est jaune donc en fait il est légendaire. Et lui, c'est un déviant. Lui, c'est un spécimen encore plus rare, puisqu'en fait, tu vois, il est genre, en fait, c'est un peu les poissons maudits, tu vois. Enfin, c'est pas rare. Tu peux en avoir assez souvent, mais en gros, en fait, c'est des poissons qui valent encore plus cher parce qu'ils sont assez rares à choper, tu vois. Voilà. Les gars, en fait, il faut que je fasse un truc vite fait. Ah. Je vais voir si je peux le faire, mais je suis pas sûr que je peux le faire. Ouais, une sorte d'abomination, c'est ça, ouais. Oui, faut que je mette dans le filet. Attends, d'abord, je vais poser le requin ici, déjà. Donc ça, c'est le totem dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu vois. En gros, c'est une pierre, tu vois, une base de une forme de requin, ok. Et donc, en gros, ça, c'est une énigme. Tu dis quoi poser dedans. En gros, t'as plein d'outils pour les crabes, pour les poissons, tout et tout. Et là, en l'occurrence, c'est pour les requins, tu vois. Et en gros, la particularité, c'est de savoir comment postiche le requin, tu vois. Tu vois qu'il en faut plusieurs. Sûrement 3 ou 4 types différents. Et du coup, la principale difficulté, c'est comment le poser, comment le mettre. Je dirais comme ça, non? Ah oui. Un là. Il y a pas de requin qui est comme ça. Ça c'est les requins normaux, là, tu vois. Requins tigres, qui sont comme ça. Mais là, il n'y a pas de requin qui a cette forme, si? On verra plus tard. Go voir le bug. Let's see the bug. Et j'ai pas été là. Il y a un truc là, non? Un crabe? Je pense pas, en vrai. Vu que c'est des requins, je pense pas qu'on puisse mettre de crabe avec les requins. C'est quoi, ça? Campement. J'ai qu'à se trouve un campement abandonné. Donc là, tu vois, c'est une quête annexe, tu vois, encore. C'est pas une quête principale, c'est vraiment une quête secondaire ou quoi, tu vois. À côté du camp, se trouve un campement abandonné. D'étranges symboles sont dessinés dans le sable. Que vous voulez faire? Oui, il y a des symboles là, c'est chelou. Fouille le campement. Un drapeau rugueux et usé J au pied des supports en bois. Il n'a rien de remarquable. Que voulez-vous faire? Examine les symboles sur le sable. Les symboles s'étendent tout au long de la longueur du campement, tournant d'un côté et de l'autre. Certains sont regroupés comme pour former des mots. Des empreintes de pas sont des empreintes de pas récentes, pardon, encerclent chaque symbole. Le dernier symbole semble avoir été tracé de façon répétée et paraît inachevé. Examine les symboles de près. Examine le dernier symbole de près. Ouais, ça. Un morceau de métal scintillant dans le sable. Hop, donc ça c'est une petite bague, tu vois. On va pouvoir la revendre. Vous la prenez. Des empreintes de pas récentes encerclent chaque symbole. Le dernier symbole semble avoir été tracé de façon précipitée et paraît inachevé. Inspectez les empreintes de pas. La personne qui a laissé ces empreintes était pieds nus. Les empreintes sont longues et larges, ce qui peut indiquer que ce sont celles d'un homme. Mais vous n'y connaissez pas grand chose en empreintes. Les empreintes de pas récentes encerclent chaque symbole. Ok. Ouais, mais j'y connais rien, gros.
Bah, je me barre. Hein. J'sais pas, gros. Tu fasses quoi, gros? Attends. Ouais. Ok, go voir le bouc. Le bouc, normalement, il doit être là, là. Ouais, devant. Non, on peut pas changer de bateau, non. Non. Le jeu se passe uniquement dans le bateau. Genre, en gros, tu contrôles le bateau. Tu ne contrôles pas un bonhomme, tu contrôles le bateau. Ah bah il est encore là, le mec, vous m'avez dit, dépêche-toi. Un autre sacrifice. Un sacrifice. Ok, tiens. Elle porte le poisson à sa bouche et le mord à l'endroit du cœur. Ses lèvres entrouvertes révèlent une rangée de dents acérées. Je sens une ouverture. Elle déroule le dernier parchemin. Celui-ci présente un crabe bleu. Non, mais j'en avais là-bas. Vas-y, je vais chercher vite. Ouais. Ok. Les gars, ils vont permis les poissons. J'ai le démon. Est-ce que je peux... Attends. Est-ce que je peux... Non, je peux pas les mettre dans... Ah. Oh, j'ai baisé le game. Allez, hop, j'ai baisé le game. Je vous rappelle, mettre des poissons dans la cale, dans le filet, permet en fait de garder des poissons frais. Les poissons peuvent périmer, enfin périmer, peuvent devenir avariés, tu vois. S'ils deviennent avariés, ils perdent, je crois, plus de 50% de leur valeur. Donc le fait de les mettre dans les filets permet de les garder frais, tu vois, frais en vert. Je sais pas si vous voyez le frais en vert, là. Tu vois, au-dessus. Donc là, tu vois, c'est des poissons qui vont valoir leur pesant d'or. Ok, bah frérot, je reviens, hein, j'arrive. Je vais chercher le crabe et j'arrive. Le crabe, bon, ils sont là, hein, genre, je l'ai vu, j'ai littéralement vu, hein, ouais. Ah oui, et la lumière, la nuit, les gars, vous permet de voir, en fait, tu vois, genre, toutes ces orbes, tu vois, rouges à droite, là, tu vois. Qui, genre, vous niquent le cerveau. Si jamais vous avez pas de... En fait, ces orbes-là, en fait, sont là pour vous niquer le mental. En gros, vous avez de la jauge au-dessus, là, je sais pas si vous voyez, l'œil, c'est littéralement la santé mentale du personnage. Si elle vire au rouge et que l'œil devient excité et tourne partout, c'est que, en fait, votre santé mentale, en fait, genre, est au plus bas et vous commencez à avoir des hallucinations dans le jeu. En l'occurrence, vous pouvez commencer à voir des rochers qui apparaissent alors qu'il n'y en a pas. Vous avez des gens qui vous poursuivent, vous avez tout à l'heure le requin, là, qui m'a attaqué de plein jour, en fait, c'était ça, en l'occurrence, tu vois. Et tout plein de trucs, en fait. Attends, je veux voir combien ils coûtent eux, les gars, en vrai. Ils doivent coûter cher, en vrai, je pense, eux, non? Wow, un spécial. En vrai, il y en a beaucoup, non, ils coûtent pas cher. Je pense qu'en fait, il y en a beaucoup, donc ça doit pas coûter très cher. Ouais, il y en a beaucoup, ça doit pas coûter cher, je pense. Généralement, quand il y en a plus de 1 ou 2, c'est que ça vaut pas très cher. Les requins, il y en a littéralement 2, 1 ou 2 max. Les espadons, il y en a un seul. Tu vois, donc, ouais. Oh non, fuck. Je me dis pas, il a attaqué le... Ah, c'est bon. Ok, vite, vite. En fait, comme ça, tu peux avoir des sortes de... choses qui infestent les poissons. Genre là, au milieu, c'est un kraken, là, ça. Tu vois, c'est un kraken, en fait. On va pas... On va le laisser tranquille, on va pas l'attaquer. Pas l'attaquer de toute façon. Jouer sur Steam, ouais. Jouer sur Steam. Franchement, les gars, c'est un jeu qui mérite vrai. Non! Non! Ils veulent le poisson, ils veulent le poisson! Non, ne volez pas le spécial! C'est bon, volez le spécial. Les fils de pute! Les fils de pute! J'ai jamais vu! Les gars, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Ok, je vends combien le poisson spécial là? 72. 30. Ouais, tu vois, lui, comme il est infecté, il vaut que 8, tu vois. En vrai, je pense qu'ils valent 30 en moyenne, je pense. J'ai quoi là-dedans? Niveau 10, tu vois, c'est pété. Du 20. Mais tu vois, vu qu'il y en a beaucoup des poissons ogres là,
et qu'il y en a vraiment beaucoup, tu vois, ils valent rien en fait. Ils valent que dalle. Ils valent vraiment rien, tu vois, le tout pour 200 et ça dégage. Tout ça aussi. On va poser ça là-dedans, directement. Il manque un seul. Un seul d'ailleurs qu'elle vend. Elle le vend d'ailleurs, les gars. On va récupérer tous les crabes qu'il y a ici, là. Et on va les vendre. Récupérer. Balèze le truc. Hein. Prends-le en vrai, non? Hein? On va les reposer, les gars. Voilà. Hop, c'est bon. Pour récupérer. Parce que, en gros les filets, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, les filets ont des. La durabilité. Et à un moment, faut que tu les récupères pour pouvoir en fait les réparer et les reposer. C'est pareil, tu vois. Genre là, tu vois, si on regarde mon filet là, tu vois. En fait, je vois pas, je vais le prendre, il est bien encore. 7 jours, mais bon, je vais quand même le réparer pour être bien, tu vois. Ça vaut combien ces merdes là? 9! J'ai compris. En fait, c'est fait exprès pour te niquer toute ta place. Pour diguer ma place, en fait, tu vois. Putain, si j'avais su. La prochaine fois, faudra vraiment qu'on l'étège. Pour réparer. On lève l'ancre et on va le reposer. On va le poser là. Ok. En fait, c'est fait exprès pour te niquer les. Garde-en un peut-être. Le bouc t'en demande un. Ah, mais je l'ai. Ah, tu penses qu'après il demande ça? Non. Oh, j'aurai la haine. Donc, tu vois, lui vient au sanglin là que j'ai chopé là. Tu vois ça? C'est cette espèce-là, mais en altéré, tu vois. Tu vois, et donc celui-ci coûte plus. Le mauve là coûte plus cher que le normal. Oh non, imagine, il me demande la sorte de. Étoile de mer là. Oh non, je vais avoir le démon. Alors que je viens de la vendre, tu sais. Oh, je vais avoir la haine. Non, pas juste. Écoutez, j'arrive pas à me. Ah, attends, c'est quoi ça? Bijou, il y a un 13. Ah, j'en ai besoin de ça encore ou pas? J'ai pas forcément besoin de ça. Hein. Non, je crois que j'en ai pas besoin en vrai. Peut-être pour plus tard, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ok, vous voyez l'orbe verte là? Vous voyez la lueur verte au-dessus de l'eau? Devant nous là? Qui tournoie au-dessus? C'est qu'il y a une espèce rare dedans. Regardez. C'est normal. Là, regardez, tu vois. Alors, on va de la pêcher. Ils sont éparpillés au hasard sur la rive. Regardez à l'intérieur. Oh! Papier, vous pouvez regarder dans une croix, une grande croix rouge dans un coin. Oh les gars, je crois que c'est le reste de la carte. Les gars, c'est le reste de la carte. Tissu propre en plus.
Et du sang, ouais, et du sang sur la rive. Salut bébé Master Love, dans ton dernier live, j'ai dû revoir la rive. Tu avais donné un mutant au Decker de la petite moelle pour qu'il l'analyse. Est-ce que tu peux aller lui parler pour connaître? Non. Et pour connaître l'or des mutants, je suis intéressé. Ah. Maybe. Je sais pas, je t'avoue, je sais pas. Moi, c'est que la quête qui fait ça, je sais pas. On pourrait essayer sûr. Le jeu, il est incroyable. Le jeu, il est incroyable. Mais alors, du coup, ça, en fait... Parce qu'en fait, j'ai l'autre partie, mais... Oh, attends. C'est un requin ? C'est quoi, ça ? C'est celui qu'il nous fallait, les gars. C'est celui qu'il nous fallait. C'est celui qui était en forme de. Tu sais. Oh là, let's go. Oh, let's go. Je kiffe. Oh, je kiffe. Je sens une ouverture. D'où le parchemin. Je suis présent d'un crabe bleu. Elle brise les pattes du crabe et se nourrit de leur chair. Et terminé. Les lèvres pleines de miettes de crabe, elle saisit un livre sous la tunique et vous le tend. Réponse donnée. Nous attendons invocation. La silhouette croise les bras et semble plonger dans un sommeil profond. Bonne nuit, mon ref. Et du coup, il m'a donné un livre. Le livre, faudra qu'on lise. Attends, je suis à combien de l'autre livre là? 86%, quand même. En fait, on l'a bientôt fini. Dès qu'on l'aura fini, je pourrai lire le suivant. Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut dormir, les gars? Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut dormir? Bonjour au meilleur des streamers, tu nous as manqué sur ces quelques jours, Master Love, Master Love. Eliassu, how are you, dude? Merci, frérot. Les gars, j'étais en famille, tout et tout, genre... en fait, quand vous voyez que je suis pas là, c'est que... Ouais, je suis en famille, quoi. Tac. Et donc là, en fait, il manque deux requins simples. Ah, un requin là, un requin là. Ok. Attends. Je fais un truc vite fait ou pas? Comme ça, il périme pas. Non, il est déjà varié lui. C'est pas grave, c'est pas le plus cher. C'est le plus cher. Mais tu vois, il y en a un qui a varié en vrai. Pas très grave. Ok. Faut que je trouve deux requins simples. Les gars, il faut que je trouve deux requins simples. Et les requins, c'est dans le biome océan. Attends, les gens, laissez-moi juste à déposer ça. Ah, attends, il y a un truc. Ah, ça, je le veux, ça. J'en ai besoin, les gars, dessus. Ok. Hop. Merci, les sous, pour ton message, frérot. Et merci pour... merci pour les 22 mois de sub. Merci, merci. Merci, BG. Les gars, tu sais que je dis jamais assez, mais en vrai, merci beaucoup pour tout votre soutien, les refs. Hein. Vraiment, je... Je me rends compte. Oh, livre terminé. Ok, nickel. Les gars, je me rends compte vraiment quand je vois, tu sais, ce qui se passe tout en ce moment, tu sais, genre dans le monde, tout, je me dis, mais putain, mais en fait, ma commu, en fait, tu sais, j'avoue, il carry de fou. J'ai quand même une commu qui carry de fou. Oh, ah non, ça c'est la pierre où il va rien se passer. Je connais. Viano. Ah, c'est un requin marteau. Je veux l'autre type de requin.
Là, il n'y aura rien ici. Oh! Trésor là-bas. Allez, allez, allez les micros, allez! Où le trésor? Ah, c'était là à droite, je pourrais pas, prendre parce que le truc il va me niquer. Eux, je crois qu'ils valent une blinde. Oh! Wouah! Pieuvre gorgone! 8 bouches agressives rampent les unes sur les autres lors de leur maîtresse silencieuse. Wouah! Ah, mais les tentacules ils ont des. What the fuck, man! Tetris Master. Oh, oh là, j'ai trop chaud. J'ai beaucoup trop chaud. Ok. Gommage de poisson. Pas un coffre pour le papier. Si. Si, t'inquiète, t'inquiète. Là. Est-ce que je peux l'assembler? Oh. Il manque. Ah, il manque encore un bout ici, je pense. C'est ça, hein. Logiquement. Et attends. Du coup. Ouais, mais du coup, en fait, je sais pas c'est quoi comme île là pour l'instant. Je peux repérer par rapport à ça, mais ça va être trop, ça va être trop tricky, je pense. Ça va être trop tricky, je pense. Pose ça. Pose ça, pose ça, pose ça, pose ça, pose ça, pose ça, pose ça. Ok. Gauvent de poisson. Combien là? 91. 40. 45. 40. Eh, les pieuvres, les gars, ça coûte cher en vrai. Effilé. 33. 40. 118. 118. 118. T'as plus, c'est passé. Bon, des 0,17 tellement ça. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, bien sûr. C'est bien sûr. Bah, ça va, heureusement, je suis dans un coin où c'est un peu calme. Tu vois, je t'avoue que j'ai pas trop de bordel, mais ouais, j'aurais des endroits où c'est vraiment compliqué. Hein. Ok, go to vendre. 500! 3700, putain, je suis trop. Non, mais limite, la limite, j'en veux tout acheter en vrai. Ça y est, je suis trop blindé, gros. Ok. Qui est flottant. Alors. Deux planches et mes dernières vies, je crois que je vais l'acheter, les gars. Je crois qu'elle le vend en plus, non? Ok. Simia. Attends, les gars, genre c'était où pour voir ce qu'elle vendait elle? Ah oui, celle-là. On le prend, non? On le prend, non? Comment tu fais pour mettre les poissons dans le filet depuis la cale? Tu peux pas. Faut que tu docks. Faut que tu docks quelque part où tu as, en fait, l'onglet réserve. Tu vois. Faut que t'aies un endroit où, en fait, t'es ta réserve, tu vois. Et à partir de là, en fait, tu peux, genre, transvaser. Par exemple, tu prends un poisson. Imagine que c'est le poisson, tu vois. Tu prends le poisson là, tu le mets là. Tu vas dans le filet. Et tu peux le remettre là. Tu vois. Mais sinon, si t'es en pleine mer, tu peux pas, en fait. Non, sinon tu docks jamais. Ah oui, le livre, c'est vrai. Attends, t'as monté le livre. On a eu quoi? 15% de chance de ne pas réduire des réserves de poissons lorsqu'on pêche à la canne. Ouais, pas mal, pas mal. Let's go pour le suivant.
Pêche avancée. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, genre il manque combien là pour le la suite là? Deux planches et... Ouais, deux planches en vrai. Les gars, go chercher les deux planches là. Les gars, objectif, on va chercher les deux planches là. Ça. Les gars, go. Non, tu sais quoi, genre go dormir en vrai. Je me réveille un peu plus tôt là, je vais me réveiller genre vers 3h, nickel. Bon, réparer 66, putain, sérieusement. C'est vraiment de la baisse, je suis genre, je prends un petit choc, mec, ça y est, c'est fini. Alors, toi, ta mère. Alors, kill d'ouf. J'ai la retège. Non, je overkill pas, je joue normal, frérot. Genre, chacun sa façon de jouer. Les gars, deux requins, deux planches. On va être vraiment bien. Un marteau, non. T'as aucun marteau ici, je crois. Ouais, que de... En fait, je pense... Ouais, ok. Mathieu nous remercie, mais nous aussi, on te remercie pour tous les moments de fou rire et ces moments en live où on peut se changer les idées 8 ans que je te regarde sur YouTube. Merci, mon Enzal. Merci beaucoup pour la donation. Merci aussi, la femme de Snaku aussi. Merci, les potes. Ici, il y a des requins, les refs. Ici, il y a des requins simples. C'est eux qu'il me faut. Voilà, c'est eux qu'il me faut. Les gars, est-ce que la forme, les gens, est-ce qu'ils ont les mêmes formes? Enfin, vous suivez, est-ce que la forme elle est symétrique ou pas? Parce que je crois qu'il m'en faut un du matin et un du soir. Non? Est-ce que la forme là, tu sais, la forme du requin là, est-ce qu'elle était symétrique ou pas? Ou est-ce qu'elle était... Genre, il y en avait une comme ça, et une comme ça. C'était symétrique. Ok, donc en fait, je crois qu'il m'en faut deux différents. Il me faut les requins du matin et les requins du soir. Ouais, deux différents, ok. Tu sais quoi, en attendant la nuit, je vais chercher des planches. En fait, les requins du soir et les requins du matin, les gars, ils sont pas identiques, ils sont symétriques. Genre, en gros, le requin du matin, il est comme ça. Le requin du soir, en fait, il a... Cette nageoire, elle est là. Et cette nageoire, elle est là, tu vois. Et donc, du coup, si tu les mets face à face, tu vois, ils ont la même forme, tu vois. Genre, en gros, ça fait une symétrie, quoi. Je pense que vous avez compris. Mais c'est du matin, du coup, aussi, c'est ça, hein. Ouais, ce matin. Vérifie quand même, je te jure, c'est vrai. Je peux me tromper en fait, mais j'ai l'œil pour ce genre de truc, tu vois. Et je crois avoir vu une symétrie parfaite. Or, si je prends les deux, tu vois, à aucun moment j'ai une symétrie parfaite, tu vois, vu qu'ils sont identiques. Tu vois, c'est comme si tu prenais genre deux mains gauches, à aucun moment tu peux avoir une symétrie parfaite avec deux mains gauches, tu vois. ABDULPLS Master Love.
Est-ce que c'est genre Insta 3? Ouais, c'est mon tour. Je peux chercher du bois encore. Collect wood. Tu vois, genre tout à l'heure, tu me posais la question là. Comment tu peux mettre des poissons depuis de la cale vers le filet? En fait, tu dois n'importe quel truc comme ça. Tu vois? Tu vas dans ma réserve. Tu poses deux poissons là. Tu vas dans le filet. Et tu le retransvases ici, tu vois. Tac, tac, tac. Tac, voilà. Aussi simple que ça. Et là, en fait, ton poisson ne périmera jamais. C'est rare en vrai, tu vois. Ils vont avoir besoin après. Autant le prendre. Reprendre les sujets, je vais en avoir besoin juste après. Salut les gars, on est mort. On est mort. Je suis obligé. Je suis obligé, genre là c'était vraiment tendu. Ça, c'est un poisson de nuit normalement. Ouais, tu vois? Ils sont inversés en fait. Ça, tu vois quand t'es fou. Tu vois des rochers comme ça qui apparaissent, je sais pas si vous avez vu. Ça, c'est quand tu vois l'œil au-dessus, il est en panique. Quoi sinon? Je sais pas, je me suis jamais fait attaquer par ce bateau. Si vous voulez un jour pour la science, on peut se faire niquer, mais gros, il fait tellement paniquer, genre gros, dès que je le vois, je me barre direct. Ok, on commence par quoi? On commence par ça. Ah, elle vend pas, elle, les composants. Putain, elle vend pas les composants. Ok. Je vais mettre ça là. Merde. Master, Lord Master. Tu vois, comme ça. Tu vois? Et je crois que la forme était comme ça. Dans le... Non, on était. Parce que, oui, c'est ça. Parce que là, t'as le requin marteau, ici. T'as le requin marteau ici, tu vois. Clac, clac. Et au-dessus, t'avais l'autre requin triangle, là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mmh. Ok. Et logiquement, je peux les emboîter les uns dans les autres. Non, même pas. Par-dessus, du coup. Ah, pas vraiment, genre. Faites-vous des petits bisous. Les gars, go améliorer le truc. Ah ouais, mais du coup, je peux pas l'acheter ici, merde. Go dormir. Ça, c'est pas parti. J'ai pas réparé. Je répare. Ah oui, attends, faut que je donne la bague à l'autre con. Putain, les gars, il y a trop de quêtes. Pas grave, je pourrais me TP sur lui. Cale sèche? Non, pas cale sèche.
charpentière, tout réparé. Ok. Level 1, c'est dit pas. Les gars, je pourrais me TP sur lui là, je pourrais me TP ici. Joseph. Sud-ouest. Donc c'est par là. Relou le côté répétitif. Il y a pas trop de côté de répétition. En fait, faut que t'avances dans les quêtes, tu vois. Moi, c'est juste que là, je veux farm un peu pour améliorer mon bateau, tu sais, au niveau max et tout et tout. Mais typiquement, en fait, il faut. Enfin, oui, c'est un jeu de pêche, donc tu vas pêcher, quoi, tu vois. C'est genre comme. Je me dis, genre FIFA, mais c'est pas relou de mettre des buts. Ou Forza, c'est pas relou de faire des tours. C'est le système du jeu, quoi, tu vois. Il y a un moment où si t'es gavé de faire ça, frérot. Change de jeu. Alors, le bateau il est réparé. Examine la bague. Oh attends. Je vais la récupérer là-bas. Les gars, faites-moi penser que je récupère la bague aussi. Le ponton, je rentre et... Ah j'aurais dû rentrer par la gauche. Je rentre et je vais à gauche. Ouais, c'est pas répétitif en plus. En plus, ça permet de. Genre là, en fait, on va encore changer de biome, tu vois. Je pense qu'on va aller sûrement dans la mangrove ou le volcan. Parce que là, du coup, on a fini ici, tu vois. En fait, on a récupéré le trésor. On a fait les quêtes. Donc, il y a grave moyen que. Il nous envoie ailleurs, là, le jeu. Attends, je vais récupérer ça vite fait pour la suite. Je vais en avoir besoin, ouais. Dire que c'est répétitif. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en plus. Ah, je me fais pas encore. Enfin, tu sais, je suis le mec le moins patient. Tu vois, genre, les jeux de farm, généralement, ça me casse vite les couilles, tu vois. Les jeux de farm, honnêtement, il y a un moment où. JPP, quoi, tu vois. Mais là, pour l'instant, en vrai, ça va. Là, il est tout baisé. Je peux te prendre. Espérer. Ouais. J'ai trouvé pareil. Salut mixeur de lettres. Mixed letters. Oh, faut pas que je fasse F, sinon je vais vendre des requins. 29. Merde, j'ai pas déposé le requin, je suis con. Trop de quêtes les gars, trop de quêtes. Non, chantier naval. Tout réparer. Je vais acheter un truc comme ça. Deck flottant. Ça, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous voyez l'inventaire ici là? Regardez bien. Attends, genre le bateau il est quoi? Il est noir avec des trucs rouges et beige. Ok. Vous êtes prêts? Look at this. Mais là, la coque niveau 4. Wow, t'as vu, il a changé encore de couleur. Ok, les gars. Il va être temps d'améliorer le moteur, les gars. Les gars. Il faut améliorer le moteur, les gars. Putain, toute la place qu'on a, c'est une dinguerie, en vrai. Oh, bah, meilleur jeu de fou. Le jeu est incroyable. Les gars, les gars. Il faut qu'on améliore le moteur. Attends. Amélioration... Non, c'est pas ça. C'est deck flottant. Ok, moteur, je peux avoir un... plus de stats encore. Parce qu'on prend plus 4... Attends. Donc, ça, c'est quoi? Ça rajoute les stats verts, là.
Ouais, pas, j'en ai pas besoin pour l'instant. Non, moteur. Moteur tous les jours. Il manque une pièce métallique. Ok. On va la chercher. Let's grab this shit out and let's put this motherfucker. Ok. Ça, on met dans la cale, comme ça on va le rendre vite tout de suite au mec là. On va le rendre au mec là au-dessus, là, enfin de l'autre côté là. Je vais poser les deux trucs vite fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres améliorations maintenant ou pas? Non. Ok. Levez l'encre. Je vais juste récupérer. Je répare juste le truc. Moteur, moi j'ai mis des pompes à eau. Ça prend une case, ça fait 9. C'est vraiment plus petit. Bah non. On avait fait les calculs et c'est pas le plus petit, je te jure que non. On avait fait du théorie crafting et je te jure que non. J'y vais de nuit ou de jour? Grand piche. En fait, genre la nuit, ça va être relou. Grand piche. Ouais, j'ai les requins aussi. Mais les gars, je vous jure que non. Genre, toi, tu pars de ces moteurs-là, là? Je te jure que non, mec. 5% de 9,5, je te jure que c'est pas plus que 5% de 60. Je crois que celui-là est à 65 ou 67. Mets-nous des moteurs dans les yeux, Kevin. Kevin, fais-moi rêver. Mais tu parles du dernier, oui. Ah oui, non mais moi je prends. Non mais les gars, je vais m'amuser à prendre des trucs de merde. Les gars, je prends que le meilleur. Là j'ai 12. Je prends le dernier direct, les gars. On va pas s'amuser à prendre tous les trucs. Bah du coup. Mieux, des petits en plus, en vrai j'ai marqué non. Non, grave pas. De toute façon, tu vois, avant de se faire le calcul. Mais grave pas. Dors. Un stream vraiment. En fait j'adore jouer à ce jeu le soir, c'est trop chill comme jeu. Trop pesant. Trop bien ce jeu. C'est comme trop dans les bâtiments, je trouve. Quoi? Non, mais comment ça, c'est comme trop dans les bâtiments? T'as acheté un truc que tu joues à Warzone ou quoi? Non, il faut du moteur. Non, pas ce qu'il me faut. Quoique, je le prends pas. Après. Écoute, en ce moment, rien. On a 2-3 jeux en cours, tu vois, Outlast, on a ça, on a Astroneer aussi. Mais genre, je joue pas hors... Si ta question, c'est que quoi, tu joues hors live? Rien. J'ai pas le temps de jouer hors live. Vous êtes des 4 requins dans la fente, ils disparaissent. Quelques instants plus tard, vous apercevez quelque chose qui remonte à la surface de l'eau. Treuil viscéral.
Ah merde. Ah merde. La merde. Plus la merde. Plus j'ai meilleur. Prends-le, je l'ai ouvert, je vais le vendre. J'ai mis dans la cale. Qu'est-ce que je voulais faire? Attends. C'est ce qu'on va faire. Je vais retourner là-bas pêcher des bouts de bois parce que les bouts de bois vont me servir de fou en vrai. J'ai encore des améliorations qui arrivent et j'ai encore besoin de bouts de bois et tout. Donc on va les récupérer. Là il y a un requin. On va les récupérer. Là, en fait c'est le syndrome de... d'avancer trop vite dans le jeu entre guillemets tu vois. Genre, si on avait fait la quête au tout début... Et même dans tous les cas j'aurais fini par acheter celui-là, donc dans tous les cas je l'aurais vendu en vrai tu vois. Donc c'est pas... y'a rien de perdu. Genre dans tous les cas en fait ça revient au même. Mais par contre on est d'accord qu'on peut pas améliorer le treuil de dragage. On est d'accord, ça là, le dragage on peut pas l'améliorer. Je peux pas y toucher en vrai dans le jeu. On est d'accord que ça améliore pas les gars. Mais moi d'avoir des planches ou quoi là mon ref, faut me donner... Ah voilà nickel putain je pose des questions quand même. Malheureusement pas, c'est dommage hein. Cool. Après, en fait, c'est cool d'améliorer et d'avoir un mini-jeu plus dur, tu vois ou pas? Le mini-jeu va plus vite, tu vois. Attends, c'est trop bien, ouais. Et du coup, il remonte plus vite. Salut. Oh, je l'avais pas, j'ai eu peur. Je crois que je l'avais pas. Ok, les gars, go rendre la quête à Bibi là. Go rendre sa quête, lui, en fait, c'est la bague là. Une lance se glisse dans toutes les cavités possibles. Elle a dit oui. Bague de fiançailles. Ok. Attends, genre, je peux toujours pas aller là-dedans. Hein. Ah, c'est verrouillé. On a toujours pas accès à l'atelier. Vous entrez et placez l'anneau incrusté d'un bijou sur une table devant le collectionneur. Celui-ci écarquille les yeux. Nous faisons de fantastiques progrès. Et je sais ce que vous vous dites. Un objet pareil rapporterait une fortune aux enchères. Mais pour nous, sa valeur transcende son prix. Bref, vous méritez une récompense. Il ouvre le livre. Attends. Et il ouvre le... Ah putain, non mais je suis con, je pensais que j'avais mis un effet. Alors que c'est ma voix, putain, mais c'est vrai que j'ai une voix de fou. Il ouvre le livre pourpre, dont la tranche craque nettement. Tu vois, il choisit soigneusement une page et se met à lire à haute voix. Les mots semblent étouffés, mais comme s'il parlait à travers une brume épaisse. Vous entendez un grognement qui grise... C'est quoi? Capacité débloquée? Bannissement? Vous entendez un grognement qui grésille à vos oreilles. Soudain, votre vision se brouille et vos oreilles se débouchent. Le livre se ferme. Nous devons continuer. Ah non, putain, mais y a pas d'effet, c'est ma voix, putain. Nous devons continuer à chercher. J'ai réfléchi à un endroit qui pourrait être intéressant. J'imagine que toutes sortes de détritus ont été avalés par la boue limoneuse des canaux de la rive retorse. Ça vaut le coup d'aller vérifier. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer vos recherches. Autre chose? Eh, hey, j'avoue, il fait quoi avec toutes ces reliques en vrai? Fais quoi avec toutes vos reliques?
Il réfléchit un moment. C'est incroyable, non? Cet attachement qu'on a pour de simples objets. Mais ces objets n'ont rien de simple. Ils sont capables de s'exprimer d'une autre façon. Si je vous montrerais un jouet, si je vous montrais un jouet de votre enfance, vous seriez envahi par des souvenirs oubliés. Ils ont le pouvoir de nous rappeler ce qu'on a perdu. Autre chose? Que savez-vous au sujet de l'ancien maire de la petite moelle? Ce vieil imbécile. Oui, je le connaissais. Parfois, il nous rejoignait sur l'eau. Mais il nous gênait plus qu'il ne nous aidait. Il n'était pas bien malin. J'imagine qu'il doit mener une triste existence depuis que je l'ai vu. Autre chose? Beaucoup de love. Beaucoup de love. Je dois y aller. Au revoir. Ouais, je crois que j'ai encore pété mon bateau, j'ai eu peur. Attends. Ça c'est fait? Attends, et maintenant, on doit où maintenant? Attends, ça on peut l'enlever ça. Ouais, je l'ai enlevé celui-là. Viens celui-là. Ça c'est fini aussi. Lui, je sais pas ce qu'il veut, je vais le laisser. Lui, je l'ai viré aussi. Ok. Maintenant, faut que j'aille là, tu vois. Rive Retorse. Et je pense que c'est les... Vu comment il a dit boueuse et tout, je pense que c'est la mangrove. À mon avis, c'est la mangrove. Vous voulez qu'on y aille? Attends, c'est quoi le pouvoir qu'il m'a donné? Bannissement. Les mots qui bannissent peuvent éloigner le mal pour un temps. Les gars, c'est pas ce qu'il avait écrit sur la plage? Ce qu'il avait écrit sur la plage, les mots. S'approche de vous. Merci les gars. S'approche de vous sur le quai avec un air interrogateur. Tu as sûrement dû faire le tour de l'île depuis le temps. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Je fais que pêcher, wesh. La voix de recul en entendant votre mensonge. Merde, la gravité. Pourquoi tu me fais pas confiance? Qu'est-ce qui me vaut cette méfiance? Elle se retourne vers vous. Secoue la tête et marmonne, puis reprend la direction du phare. Merde, la vieille, elle a l'air trop cool, mais j'ai peur d'elle, elle me fait peur, wesh, elle me fait peur, la vieille. Attends, qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait du bois? Non, il manquait du métal. Il manquait un métal, ok. Ok. Ça, on le vend, on est d'accord. Bah les couilles de sang. 110. Les gars, j'en le vends ça ou pas? Ou est-ce que je le garde? Moteur, je peux pas encore le prendre. Eden, t'as grave raison, ouais. T'as raison de fou. Garde. Ouais, j'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin de place, frère. Ok, alors dans ce cas-là, ce qu'il faut que je fasse. Oh, mais tout fini. Go vendre ça.
Merde, j'ai pas dormi. Enfin, genre là-bas. Chronomoteur, si tu achètes des pièces à la vendeuse. Attends. D'abord, je veux de l'amélioration d'abord. Et après, on verra. 321 là, le tout. Allez. Dégage. Dors de spi. Allez. Le cup, ça part. Le métal, il y en a vu. Tiens, genre où est-ce qu'il y avait du métal déjà? Il y avait du métal par là. Ah, il y avait du métal, non? Au fond. Où est-ce qu'il y avait du métal? On boit trop solide et brille sur rivage. De quoi? Ah oui, c'est là-dedans, je crois. Ouais, j'avais laissé un métal à la reprise. Tu vois, le métal, le gros métal, il est là depuis le début du jeu quasiment. Et il m'attend. Il attendait son heure, il attendait le moment propice pour se rendre utile. Tu vois la couleur de la casquette? Eh bien, merci beaucoup, Fefe la tulipe. Merci. Et merci pour tous les sables, les gars. Merci. Merci, CD-Sphère pour les deux. Ah non, merci. Dadulu, merci pour les 14 mois. Altintas, merci pour le prime, bienvenue parmi nous. Rastit, merci pour les 33. Elias, merci pour les 13 mois. Shadys, merci pour les 22. Shai, merci pour les 2 mois. Master Snake, merci pour les 53 tiers 2. Luda, merci pour les 7. Morning Sword, merci pour les 44. Merci beaucoup. Tac, j'améliore 2 espaces en plus. Montre comment ils sont. Ok, nickel. Les gars. Ok, 52. Et dernier, vous m'avez dit combien dernier? C'est combien dernier? 67. 67, les gars. 6 slots, c'est lourd, hein. Putain, j'ai plus de poisson. Putain, j'ai plus de gâteau, putain. Les gars, j'ai plus de poisson pour l'acheter. Hein. J'ai plus de poisson pour l'acheter. Ok. Faisons du théorie crafting. Ah, les chiens. En fait, ils t'ont donné. Il y a 6 lettres comme ça, et 2 là. Attends, je décale pour que vous puissiez voir. Ah, vous voyez. Genre, il y a 6 lettres comme ça, tu vois. On a 2 là et 2 là. Donc, en gros, tu peux pas mettre un 6 slots et un 4 slots, tu vois, ça marche pas. Tu peux mettre un 6 et un 2 et un 2, tu vois. Maintenant, la question c'est. La question est la suivante. Qu'est-ce qui rentrerait... Bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Attends. 9,5. 2, ça fait 19. Ah, c'est vite vu en vrai. C'est un gros comme ça et 4 petits comme ça. Hein. Je pense. Hein. Je pense. C'est un gros comme ça et 4 petits comme ça. C'est, pour moi, c'est le plus petit.
Parce que, en fait, j'ai une perque. Pour ceux qui savent pas, j'ai une perque, les gars. J'ai une perque, c'est... C'est ça. Le bon fonctionnement des moteurs. Les moteurs ont une vitesse supérieure de 5% par rapport à celle indiquée. Ça veut dire que, en fait... là, ce qui se passe, c'est que la valeur affichée, il faut que tu ajoutes 5%. Tu vois? Donc, Ça fait que celui de droite, il est à 70.56, tu vois. Celui-là, il est à 70.56, avec les 5% en plus, tu vois. Quelqu'un, vous pouvez noter 70.56, quelqu'un peut le noter. Celui-là, là, 70.56, celui de droite, là. Le meilleur. 70.56, et donc, du coup, ça voudrait dire que ceux-là... Genre, si je mets que des petits comme ça. Ok. Ok. Celui d'en haut, il est à... 9, il est à 9,9. Bon, il est quasiment... En vrai, celui d'en haut, il est quasiment à 10. Celui d'en haut, il est quasiment à 10. Ok. Le moteur hydrojet, il est quasiment à 10. Il est à 9,975. On va dire 10, tu vois. Donc... Ça va être la même utilité que les petits. Si, c'est un moteur, genre, c'est juste que le petit prend une case et que celui-là, il prend 6 cases, tu vois. Mais ça reste un moteur, en fait. C'est pareil. Donc, attends. Imaginons que je mette que des petits. Donc, x 6. Ah non. Grave pas. Mec, ça fait à peine 60. Genre, si je mets 6 petits comme ça, là, ça me donne 60. Or, celui-ci, il est à 70.56. Tu vois? Donc non, c'est pas rentable. Genre, celui-ci est bien meilleur, en vrai. Celui-ci est bien meilleur. Plus gros, plus rentable, sinon tu perds 10... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu perds quasiment 10 de vitesse, ouais. Même, tu perds plus de 10... Tu récupères quasiment 11 de vitesse. Enfin, 11-2, pardon. Ouais, c'est ça. Donc, mais en fait, je pense que le plus rentable, c'est... 2x2, 18. Ouais. Ouais, pas le choix, hein. En vrai, c'est de mettre des petits comme ça, je pense. Ça, c'est un... Lui, il est en L, et en L, ça va tout me baiser, en vrai. J'ai pas le choix. Et j'ai pas de L, tu vois. Et j'ai plus d'amélioration de moteur. Tu vois, j'ai plus rien. Le moteur, c'est le dernier que j'ai pris. Y a plus rien, après. Après, c'est juste de l'espace, des cannes à pêche et de la lumière. Ouais. Donc, je pense qu'on... Les gars, je pense qu'on a le bon truc. Le bon truc. Le dernier plus les petits. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vas-y, go. Ah, mais je peux pas prendre ça. Ah, mais je peux pas les prendre, du coup. Merde, parce que du coup, ça me fait 5 et là, ça me fait 5. On commence par lequel? On commence par le gros. On met le gros et on met les petits au-dessus. En attendant. Ouais, c'est ça. Ok. Double hélice, double rotor, double rotor. Attends, lui il a 15, 14, 15, ok. Lui on va le vendre. Ah, on peut pas le vendre. On va mettre de la cale dans ce cas-là. Lui, on va le mettre comme ça. Lui, on va le mettre comme ça. Et on va prendre le... c'est celui-là. Ouais. Oh,
sa mère. On va bombarder, Dax, les gars. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Oh, elle est moche, elle. Ré à fragments. Mec, le boost. Mais c'est un jet ski, gros, c'est plus un... C'est... Non, frérot, mais c'est un jet ski. C'est un jet ski, le bordel. Oh, elle, les gars. Ah non, putain, il y a eux aussi, c'est vrai. Attends, si je vends eux, ça fait combien? Les trombones que j'ai ramenés, ça vaut combien? Mec, j'ai pêché 3 poissons. Hein. J'ai pêché 3 poissons. Attends, je redécale ma cam. J'ai pêché 3 poissons. Hein. Lunaire. Tu vas kiffer les balades en bateau maintenant. Ah oui, non, mais j'ai kiffé déjà, mais maintenant ça va aller tellement plus vite maintenant. Alors attendez, genre, du coup, maintenant on doit faire quoi? Maintenant on est d'accord qu'on va ici. Hein. Attends, tic, j'ai pas exploré la. Si, j'ai fait. Ouais, j'ai exploré. Ça, j'ai exploré, ok. Ça, c'est pas exploré. Ouais. Go les explorer en deux, et après on va là. Et après, on va à la rive retorse. Et on continue le game. On est comment là? J'aimerais bien prendre des stats en plus là. Montre. Cale sèche, les slots. Ok, 4 pièces métalliques et 2 tissus. Ok. Prends ça sur moi, toujours au cas où, si on doit péter un truc. Ça part. Attends, je peux lui parler à elle. Tu veux quoi? Je veux des reliques pour les collectionneurs. Si tu es à propos de l'ancien maire de la mauvaise moelle. J'essaie de ne pas y penser. C'est un douloureux souvenir pour nous tous. Certaines nuits, je crois entendre le ronronnement de ses moteurs dans la baie. Mais je sais qu'il n'est plus là. Je ne veux plus en parler. J'ai des reliques pour le collectionneur. Des reliques, le collectionneur? Je ne sais pas ce que tu comptes obtenir grâce à ce personnage. Le sais-tu toi-même? As-tu pris le temps d'y songer? On va se faire baiser, les gars. Je sens qu'on va se faire baiser. Le collectionneur, je sens qu'il est hyper louche. Ouah, sa mère. Les gars, le problème, c'est que maintenant, pour passer entre les rochers, ça va être une galère, sa mère. Non, mais gros, mais ça va trop vite. Ça va trop vite, les gars. Je suis mort. Je suis sûr, ça bombarde, les gars. Ça bombarde de fou. T'es mal. Tu racontes super bien l'histoire, comment ça? Ça, j'ai raconté super bien l'histoire. Les gars, et on n'a pas encore mis les meilleurs moteurs. Hein. Je vous dis, les petits moteurs, ça va aller encore plus vite. Hein. Pas drastiquement plus vite, mais un peu plus vite quand même. Ah, on gagne tellement de temps en vrai. Oh, il est que 9h, on est déjà là en vrai. Ok, qu'est-ce qu'il y a sous cette île? Y'a Walou? Oh. Ah ouais.
Ok, planeur. Moi, il faut pas sur le jeu. Les gars, est-ce qu'on n'irait pas sur l'autre île là où il y avait les signes, tu sais, bizarres qui ressemblent au pouvoir que j'ai là? Est-ce qu'on n'irait pas là-bas pour checker? Un avion qui s'est crash. Il me nique, heureusement j'ai des réflexes. Ah, le sous-marin, c'est quoi ça? Vous approchez d'une silhouette encapuchonnée, c'est dur à dire. Une tunique violette foncée lui masque totalement le visage. C'est un streamer. Pêcheur, nourrir. La personne semble avoir oublié ce qu'elle voulait dire. Celui d'un compassionné dévoile un parchemin. Il dessine un dessin sur une partie supérieure de celui-ci, un tarpon. Un tarpon. Ok, le tarpon, tu vas attendre longtemps, je te le dis. A tous les coups, le tarpon, il doit être juste là, je pense. Non. Tu vois? Je l'ai eu, je crois. Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. Ça peut pas être moi, normalement, non? J'ai vu la quête avec le mec en jouant, j'ai fini. Ouais, en parlant de ça, les gars, c'était où là, genre le truc qu'on a trouvé là avec le parchemin qu'on n'arrive plus à lire? C'est sur une des îles, non? Genre là, non, je sais plus. C'était pas ces îles là. Il y avait un autre livre à lire. Non, c'est bon, on a tout lu. Le canne à pêche remonte le poisson 15% plus efficacement. C'est lourd ça, ouais. Ah, je lui mets tout soit dans sa mère, t'es mal. Ah bah il y a des pop. Chacal. Il a eu peur. La petite île, genre laquelle? Laquelle? Genre tu te souviens de laquelle exactement ou pas? Final Fantasy XVI, je sais pas, genre en fait on m'a dit que la version PS5 était un peu buggée. J'ai limite envie d'attendre la version PC. Je pense. Pour t'sais, pour apprécier le jeu à sa juste valeur. Mais tu es doubleur, what the fuck? Ouais, je sais. Je suis doublage, c'est un peu mon kiff, quoi. Je pense les deux îles collées. Ici, là? Ok, je peux checker.
En fait, j'ai limite envie de me faire enculer par un monstre pour les monstres pour voir ce que ça fait. Je me suis jamais fait enculer en vrai. Pourquoi il y a une maison là ? Elle ne disait rien cette île. What the fuck. Ah ouais, creepy de fou. Salut Zone, comment tu vas? Ah ouais, creepy de fou. Il est là-bas là? Ouais. Ah oui, c'est là, ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Oh, c'est grave sombre, non? Normal. Du quai se trouve un campement abandonné. D'étranges symboles sont dessinés sur le sable. Que voulez-vous faire? Fouillez le campement. Drapeau rugueux, usé J au pied du support en bois. Il n'y a rien de remarquable. Que voulez-vous faire? Examinez les symboles. Les symboles s'étendent de la longueur du campement, tournant d'un côté et de l'autre. Certains sont groupés comme pour former des mots. Des empreintes de pas récentes encerclent chaque symbole. Le dernier symbole semble avoir été tracé de façon précipitée et paraît inachevé. Examine le dernier symbole de plus près. Il n'y a rien d'autre ici. Des empreintes... ok. Et inspecter des empreintes de pas. Les empreintes sont longues et larges. Le mec était pieds nus. Ce qui peut indiquer que ce sont celles d'un homme. Et vous ne connaissez pas grand chose en empreinte. Les gars, c'est une énigme, mais je sais pas, on n'arrive pas à la résoudre celle-là. Je crois que c'est une énigme en vrai, hein, mais en fait, on n'arrive juste pas à la résoudre. J'arrive pas à la résoudre, je sais pas s'il y a un truc pour la résoudre. J'ai pas... Non, vos mères. Oh, je l'ai brain. Oh, t'es fou. Si t'avais drift à la Dom Toretto, ils ont même pas suivi. Bande de chiens. Un homme quelque part. C'était cette île là, on est d'accord. Les gars, c'était cette île là, on est d'accord. Il y a un truc, je sais pas ce que c'est. On met quoi? On met Les gars, c'est pas ce qu'il faut comme poisson pour l'autre con là? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas celui-là? Allez, bien vu. Le mec capuchonné, il était. Il était sur cette île-là, je crois. C'est ça, hein? Je crois. Je peux lui reparler ou pas, tu crois? Non, pas lui reparler. Non, mais. Il y a trois capuches par terre là.
Il y a deux capuches par terre et une capuche qu'il porte lui. Donc ça laisse présager qu'en fait il y en a deux qui sont morts, genre. Ou genre il y en a un qui s'est barré de côté qui est devenu mauve. Donc du coup il y en aura un troisième, c'est ça? Non? Logiquement. Donc, en haut à gauche, c'était pour quoi? En haut à gauche, ça? Bah c'était pour le mec capuchonné en mauve. Je pense, capuché en mauve, non? J'arrive, je reviens. Et re les amis. Et lui on peut pas lui parler. Ah merde. Merci pour tout, émoticône cœur, master force, master love, master love. Merci Salan, merci beaucoup mon frère. C'est gentil les gars. Merci à vous les potes. C'est vous qui faut dire merci, c'est pas moi les gars. Moi je suis qu'un merdeux moi. Bah c'est ça hein. Ah c'est bon, on est au bon endroit là. Est-ce que j'ai accès à ma réserve ici ou pas? Toi, ils vont. Ah, pareil, merde. C'est ça ce que je voulais éviter. Hein. Bonne nuit, Joypada. Bonne nuit à ceux qui vont dormir, les potes. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Kraken, ça va ou quoi? Oh, il est vénère. Allez, salut, mec. Mec, maintenant je vais tellement vite, je te jure. Même si vous mettez un coup, mec, c'est impossible. Dis-moi que la viande elle est pas variée. Dis-moi que vous aimez pas variée. Oh, it's cool. Propre. Tout réparé. Hop, c'est fait. Ça en pose. Ça, je garde. Ok. Quoi là-dedans? Ok. Alors, non. Non et non. C'est quoi pour les empêcher de rentrer dans les. En fait, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. En fait, je pense qu'il faut disposer les crabes d'une certaine manière pour empêcher les, tu sais, les sortes d'anémones bizarres là de rentrer dans le truc. Je pense hein. Comme ça elle peut pas rentrer. Les gars, c'est la bordel en France, je viens de voir. Ouais, c'est l'horreur. Zéro point, putain. Comme ça. Ok, on a fait ce qu'on avait à faire. Go pêcher pour lui. Et après, ça je pense qu'on le fera pour la prochaine fois. C'est quoi, genre, go juste aller voir la gueule que ça, en vrai. Et on laissera ça, je pense, pour le prochain live, en vrai. Comme ça, il nous restera genre ça pour le prochain live. Et ça pour le live d'après, je pense. Et après c'est plié le jeu. Peut-être genre ça de live, je pense, c'est comme balèze. Genre ça de live et ça genre un live, je pense. Ouais. Non mais. Ok. Attends. Quête, c'est quoi? Tarpon, ok. Pêche des poissons. C'est le tarpon? Ouais, c'est lui, hein, tu veux les doigts, c'est ça. Ok, un tarpon lui rapporté. Je sais pas quoi ça semble le tarpon.
C'était quoi, c'était au fond le tarpon? Ça. Ouais, ça. Quelle pêche, salut. Ok, matin et soir. Ok. On est au fond, ok. Mettre de place, je vais mettre de place ça. Hein. Menace sur le jeu 11h. 11 hours. Tu vois ça? Non, c'est pas ça. Attends, c'est quoi, genre, go pêcher ça aussi? Comme ça, j'ai découvert. Ah, nickel. Un thon noir. Bien. En fait, je pense qu'il faut que je pêche au moins une espèce de chaque, comme ça, tu sais, si je débloque dans l'encyclopédie. Je galère pas, en fait. Océan, en fait, c'est au fond, donc... Pour tout ça, c'est océan, c'est mort. Ça doit être vers là, je pense. Moi, je pense que ça doit être vers là. Poisson ogre. Genre au fond c'est là au fond. Alors, ça c'est côte. Au fond c'est là où je suis je crois, non? Côte. Genre, du coup c'est quoi au fond? Genre là où je suis. Genre ça c'est océan ça du coup. Mais ça c'est, du coup c'est côte. Mais du coup, c'est quoi au fond? Ouais, les reliques, je crois que c'est la quête principale, je crois. Ça, c'est côte aussi. C'est côte aussi. Le mulet. Genre, tu sais quoi, les découvrir un peu les trucs là. Côte aussi. C'est le rouge, ok. Côte. Océan. Ah, parce qu'il n'y a pas d'eau au fond ici, c'est ça? Il n'y a pas de haut fond, je pense. À la rive retorse les tampons, les tarpons. Ah, genre ici, ok. Merci beaucoup. Très bien, frère, merci beaucoup. Ouah, et par contre, il y a une brume jaune là. Ouah, c'est Tchernobyl, hein, c'est le bordel, hein. Putain, c'est horrible. Ça a l'air horrible. Non. Voilà. Autre côté. Les après-midi, Anne. Sont plus là. Ah. J'ai pas compris. Nourris la bouche. Elle s'est bien captionnée, dévoile un parchemin. Elle dessine une dessine par contre. Okay, elle se met, tient le poisson dans son visage, l'étudie en le serrant fortement. Après quelques secondes, le poisson explose sous la pression. La silhouette fouille la masse sanguinolent et prend le cœur qu'elle met dans sa langue. Alimente l'esprit. La silhouette vous montre un autre parchemin. Celui-ci représente une limule. Ah, on peut le pêcher que à la truc. Que au... à la cage. Okay. Limule.
qu'il y a des poissons. Des spécimens de poissons, c'est incroyable, hein, je trouve. Hein, genre vraiment, c'est trop stylé. T'es passé ? Océan ? Non. Pas de l'océan. Oui. C'est pas de l'océan, les gars. Ah. C'est dans la mangrove, du coup, tu crois ? Putain, mais leur lexique il est baisé sa mère, je comprends pas comment il marche dans. Ah ok, faut cocher. Ok d'accord, enfin, j'ai pas compris. Okay, c'est bon, je en fait quand tu coches ça te montre des trucs. Ok. Limule. Non. C'est pas dans le volcan parce que le volcan c'est trop loin. Les grands fonds. Non. Attends, mais y a pas de type de pêche genre attends. Là, je suis où? Là, je suis au. Là, je suis à la rive retorse. Ok. Je mets rive retorse. Est-ce que j'ai tous les poissons de la rive retorse là? Ah, elle est là. Et tu peux la pêcher dans la rive retorse que avec les casiers à crabes. Le prime pour le patron. Ok. Jour et demi. Ok. Oh, brr, excusez-moi. Vous êtes un peu fatigué. Nous, c'est sûr, sur les plages, il me semble, ouais. Je sais pas. Du coup, comment je fais pour empêcher là? Parce que du coup, en vrai, la mangrove la nuit, ça doit pas être ouf, hein, en vrai. Hein. Ah, je vois de la lumière là-bas. Vas-y, go. Mulet chevelu. Alright. Allez, donne l'espace spécial là. Allez! Tarpon, tarpin énervé. Oui, chevelu. Ah, j'avais déjà eu tout à l'heure. Okay. Hello. Guess who's back? Donne-moi ça. On va aller, en fait, on va au moins les poser. Tu vois ce que je veux dire? Ah, peu. Quoi ce bordel? Oh, ça fait peur un peu quand même, c'est bien. C'est bien, ils font un peu peur quand même. Et qu'il y a des bruits. Attends, mais j'ai pas de lumière allumée. Ah, il était là en fait. Okay. Hop, je dock. Pousse. Hop, je dockais, tu peux pas m'attaquer. Oh, il y a le seum. Tu vois, je dors. Nique ta mère. Je redors un peu. Je me réveille. On y va. Eh ouais, mec, t'as le seum, mec. Eh ouais, mec.
Je fais que pêcher de bons poissons à chaque fois. Beaucoup ici. Vas-y, go. C'est quoi ça? Ah, elle est aveugle. Non? Elle est aveugle. Réagir au son. Ouais, je pense aussi. Ouais. En tout cas, si je passe là, j'ai peur de mourir en vrai. Ah, faut que je la piège comme ça? Attends. Je crois que j'ai compris. Il faut que je la piège comme ça, la truc? La bête? Non! What the hell? C'est quoi ça? Ouais, tentacule, mec! J'ai eu si peur, mec! Non! Enfin, je crois qu'elle s'est pris le poteau. Ouais, j'ai pas la canne, la mangrove. Oh! Elle a bloqué, elle a bloqué les voies. Vas-y, viens! Mec, heureusement j'ai un jet ski. Heureusement j'ai un jet ski de baiser. Heureusement j'ai un jet ski de fou. Ok, là je pense que... Ah ouais mais zut, on pourra pas... Ah. Je pense qu'il va falloir qu'on farme un peu les pièces. Putain, je sais pas où on les chope en vrai. Elle les vend, je crois, non? Attends. Elle les vend, non? Merde, j'ai pas vu combien j'ai payé. Ok, j'ai pas vu combien j'ai payé. Merde. J'ai pas vu combien j'ai payé. J'ai cliqué direct, j'ai pas vu le prix. C'est Lootman, comment tu vas? Est-ce ton fier? Non, mais en fait, j'ai déjà fait. Ah, tu veux le fier contre la grosse bête là? C'est pas con. Ouais, c'est. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche. C'est quoi ça, hein?
fermé derrière moi. Ouais, salut, je me pète. Bon, les gars, la mangrove, ça va être trop stylé en vrai. La mangrove, il y a moins qu'elle soit trop stylée en vrai. Franchement, il y a moins qu'on s'éclate dans la mangrove. Mais en fait, je pense qu'il va falloir que je farme. Je pense que hors live, pour pas vous infliger ça, je pense. Hors live, je vais les farmer un peu là. Demain après, si j'ai le temps un peu, tu vois. J'irai farmer et j'irai. Surtout farmer les pièces de composants là. Ça là. Pièces de recherche, on en a plus. Ou sinon, je vais tourner, tout est payé, tu vois. J'ai 1800 en vrai, genre j'ai de quoi payer en vrai, c'est ok. Surtout qu'en plus, là, la pêche paye vraiment pas mal, donc il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de sous. Merde, je l'ai pas vendu lui. Merde. Ouais, je vais faire ça vite fait, tu vois. Et comme ça, genre, la prochaine fois qu'on joue au jeu, on pourra directement prendre la. On pourra directement prendre la. Comment t'appelles ça? La canne à pêche là, ça. Mais du coup, faudra virer le filet en fait. À moins que. Plus 2 espaces de canne à pêche. Plus 2 espaces de canne à pêche et. J'ai un là. Genre plus 2, il va mettre un là, là tout le coup, non? Plus 2. Il va mettre une case là et une case là. En live, ouais, vous voulez qu'on fasse en live? Ça me dérange pas, hein. C'est juste pour pas que ce soit chiant pour vous à regarder. Ça change quoi la canne? Bah, en fait, la canne, c'est tu peux pêcher quand même à la mano, manuellement, tu vois. Et le filet, c'est du passif. Le filet, c'est genre tu lâches le filet et ça va pêcher en fait sur une durée, tu vois. Donc, tu ne contrôles pas ce que tu pêches. La canne à pêche, tu contrôles ce que tu pêches. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que en fait, là, le problème, c'est que si je prends cette canne à pêche, il va falloir qu'on vire le filet, tu vois. On n'a pas le choix. Après, à mon niveau, est-ce que j'ai réellement besoin du filet? Bon. Je sais pas. Garde un filet. Bah, en fait, je peux pas, parce que là j'ai... un treuil pour l'abysse pour grand fond et océan. Là j'ai un treuil pour côte au fond. Tu vois. Et ici j'ai un filet pour côte au fond. Donc en fait si je veux mettre la canne à pêche là qu'on a vu là tout à l'heure, pour volcan, mangrove et tout et tout, il faut que je teste ça en fait, j'ai pas le choix. Pas le choix. Bah là, c'est espace filet et canne. Donc c'est ok. Je vire juste le filet et t'es marre. Tu vois, le logo filet et canne. Tu vois. Alors que en bas, je sais pas si tu vois. Genre, là. Genre, là où mes souris. Tu vois. Genre, c'est qu'il y a que un hameçon. C'est qu'une canne à pêche. Tu vois. Genre. J'ai pas de canne à pêche. Si.
Regarde. Tu vois, genre, en gros, le filet, je peux mettre uniquement sur les cases qui sont allumées. Ok. Et les canapés, je peux les mettre sur toutes les cases qui sont allumées, tu vois. Donc, tu vois, les canapés, je peux les mettre où je veux. Tu vois. Mais le filet, je peux le mettre que là, en fait. Tu vois, donc. C'est le pêche plus petit. Bah, y'a pas, en fait. Le vrai problème, c'est qu'il y a pas. Pas. En fait, le problème, c'est que même si je prends un 2 par 2, ok, genre celui-là ou celui-là ou celui-là, en fait, pour l'autre canne à pêche, il me faut 6 slots, tu vois. Donc 6 et 4, ça fait 10. Il n'y a pas, je peux pas. En fait, je suis obligé d'enlever un truc. Enlever un clip, tu m'as envoyé où le clip? Ouais, quoi. Il y a 4 dans le casier. Ça? Elle sert à rien en vrai. Tu peux la vendre. En gros, c'est pour pêcher dans les abysses et les grands fonds. Et la vitesse de pêche, elle est à 62%. Tu vois? Moi, ce que j'ai là, c'est abysses, grands fonds, océan. Et vitesse de pêche, 94%. Donc en vrai, ça, c'est obsolète de fou. Tu vois? Ça, je peux le vendre, ça en vrai. Je peux le vendre. Ça sert à rien. Oh. Ouais. Ouais, ce que je vais faire. Je vais prendre la canne à pêche vivante, polyvalente, je vais la mettre à la place du filet. Le grand chalut là. Après, honnêtement, genre, j'ai 2000 balles. L'argent ça va vite hein, dans le jeu. Hein. Genre, tu pêches genre maintenant, tu pêches genre un espadon, 3 requins. Tu mets un espadon comme ça, tu mets un requin là et un requin genre là. C'est bon, mec. T'es au moins à 700 ou 800 balles, tu vois. Donc en vrai, ça va vite maintenant l'argent. Genre, en fait, l'argent au début c'était compliqué. Maintenant, j'arrive à un stade où l'argent c'est facile. Tu vois, genre, les ressources sont plus dures à avoir que l'argent, tu vois. Genre, là par exemple, tu vois, ce qui me fait chier, c'est ça là. Liste de recherche, tu vois. Et c'est ce qui me bloque actuellement. Donc demain, on va faire un petit peu de farm, un peu vite fait. Alors demain ou après-demain, je sais pas, quand j'aurai un peu le temps. J'irai farmer un peu là les trucs et tout et tout. Et comme ça, la prochaine fois qu'on fait un live, tu vois, je lance. J'aurai masse de ressources, j'aurai masse de trucs. Et on avancera d'un coup, tu vois. Ok. YouTube. Des bisous. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On a quand même bien avancé en vrai. On a quand même bien step up en vrai. On a quand même bien push le truc. Genre là, cet épisode, en fait, on va explorer ici. Là, tu vois, genre, j'ai le truc à ici à aller récupérer. Il y a l'air d'avoir... putain, il y a l'air d'avoir que deux villages, hein, genre, enfin, deux quais, tu vois, ici et ici. Il faudra qu'on fasse aussi la quête de lui. Qu'on lui ramène son... Je sais pas ce qu'il le poste qu'il veut. Et ensuite, je pense qu'on aura fini la zone. Et après, je pense qu'on peut venir au volcan. Les chines du diable, je pense que c'est le volcan, en vrai. Ouais, c'est le volcan, je pense. Le volcan, et après, c'est plié. Donc, je pense encore... ouais... 2 lives, 3 lives je pense, 3 lives max, et le jeu est plié. Mais en tout cas c'est un super jeu, hein. Vraiment je prends du plaisir de fou à y jouer. C'est vraiment incroyable comme jeu. C'est vraiment incroyable. Vraiment c'est le genre de jeu, tu vois, que je kiffe parce que en vrai c'est de l'indé, mais c'est de l'indé bien fait, c'est de l'indé original, c'est de l'indé fait avec amour. Tu sens qu'il y a eu plein de bonnes idées, plein de trucs, tu vois, genre mec il y a eu, je sais pas quoi, 160 TCS de poissons dans le jeu, genre... C'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Pour 20 balles, il y a des trucs... Ah oui, non mais ouais, pour... Écoute-moi, t'as dit 20 balles le jeu? Il est pas en promo là? Comment on fait pour aller voir le jeu? Guide, on m'a dit, je crois qu'il faut cliquer sur guide. Page du magasin, c'est ça. Peggy 12. Le jeu, il est actuellement à... Ah, il est en promo. Normalement, il a 25 balles, ouais, c'est ça. Là, il a 20 balles. Franchement, pour 20 balles, les gars, ça les vaut de fou. Hein. Les gars, pour 20 balles, ça les vaut de fou. Ah bah du coup on est là. Voilà. La mangrove. Même en plus la DA du jeu est cool, le jeu il permet d'optimiser, le jeu n'a jamais crashé, tu vois, pour l'instant. On est quasiment à plus de 11 heures de jeu, tu vois, et ouais, quasiment 12 heures, et le jeu n'a jamais crashé en fait. C'est la marque des bons jeux, des vrais jeux. Ah, on me dit il est dans le Game Pass le jeu. Ah ok, bon bah voilà. Ceux qui ont le Game Pass, les potes, bah le jeu est gratuit dedans, donc profitez-en. C'est un super jeu, ouais. Du coup il est dispo Xbox ou pas le jeu, je sais pas. Je pense, le dispo Xbox, je pense. Team 7 est un très bon studio. Bah, Team 7, je crois qu'ils éditent, hein, Team 7, hein, ils développent pas. Hein.
Attention, confondez pas le développeur et l'éditeur. Je crois que voilà, voilà, Team Blizzard, en fait, ils éditent. Le développeur, c'est Black Salt Games. Voilà, bon, là, du coup, t'as la page de... T'as pas... Ils ont pas de page, en vrai, Black Salt Games, mais... Vu qu'ils sont rattachés à Team 17, mais en gros, c'est pas l'éditeur, c'est juste l'éditeur, Team 17. C'est celui qui met l'argent sur la table, tu vois, pour que le jeu soit développé. Mais c'est pas lui qui développe réellement. Elle est pas dans le Game Pass. M'a menti. Ah, ça... Un faux chat, Amnesia, un faux chat. YouTube, je vous fais des bisous, je vous dis prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé, encore une fois, j'espère que vous prenez du plaisir autant que nous à y jouer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous avez le lien du live en bas dans la description pour ceux si jamais vous voulez venir voir les aventures en live et les vivre en live avec nous. Ramenez-vous, vous êtes toujours les bienvenus. Et je vous fais des bisous, je vous dis prenez soin de vous. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt. Ciao.